Picard, à qui je souhaite la bienvenue. Merci, Monsieur le Président, pour votre bienveillance. Très rapidement, je ne vais pas m'immiscer dans vos débats et je tiendrai le délai de une minute, juste pour vous dire et confirmer ce qu'a dit notre collègue Louwagie. Ça fait 6 ans que je n'ai pas pour habitude de déposer un seul amendement dans cette commission des finances, mais je les dépose dans cette commission des finances. L'année dernière, j'avais été extrêmement frustré de ne pouvoir en défendre aucun à cause du 49-3 déclenché par la majorité, d'où ma présence aujourd'hui. Sinon, je vous aurais laissé tranquille et je vous aurais évité une vingtaine d'amendements. Oui, mais je vais tenir dans les 40 secondes qui restent, cher collègue. Aïe. Donc cet amendement que je dépose effectivement tous les ans, il vise à relever à 75% le taux de défiscalisation des dons et du mécénat qui sont faits aux associations par les particuliers et les professionnels. Le secteur associatif est très dynamique dans notre pays, c'est une vraie économie qui existe et il survit déjà grâce à 50% de mécénat. Donc je propose de pousser le mécénat qui est fait. Et je vais vraiment vous faire gagner du temps, parce que je vais défendre en même temps le suivant, qui est un amendement de repli, qui exclut les entreprises et qui maintient ce taux de 75% uniquement pour les particuliers. Je vous remercie, il me reste encore 7 secondes. Merci de votre efficacité, monsieur le rapporteur.